Francis Ingles, vainqueur du marathon, après avoir été deuxième l'an dernier. C'est bien d'avoir... fallait persévérer. Oui, voilà. J'ai fait un trop long footing, une sortie longue. C'est un peu particulier parce qu'on rattrapait tout le 10 km. C'était un petit peu particulier, mais c'est pas mal. Vous aviez déjà gagné il y a 15 ans, en 2008. C'était l'objectif d'arriver regagner. Le doublé, j'ai fait le marathon de la Cap Ferret il y a 3 semaines. Et je voulais faire le doublé et gagner ici en 3 semaines. Donc, j'ai fait les deux, donc c'était mon objectif. Comment vous avez trouvé la course justement? Le parcours, ça va, bon, il a été changé. Après, c'est pas très très dur, c'est pas un parcours très roulant. Le temps, il est nickel. Dans l'ensemble, c'était bien. C'est bien, vous montrez que vous arrivez à maintenir un niveau de performance, oui, puisque sur 15 ans, vous arrivez encore à gagner. Beaucoup. J'ai une hygiène de vie, donc ça me permet de durer dans le temps. Et vous aviez fait quoi comme autre résultat ici? Vous aviez couru des semis. J'ai gagné le semi il y a quelques années. Et voilà, il me manque plus que le 10, je n'ai jamais fait le 10. Et les objectifs, la suite? Comment? C'est quoi les autres objectifs de la saison? Là, à la fin de saison, je vais faire quelques petites courses. Et puis l'année prochaine, je repars sur des marathons. C'est que le marathon de Cognac, c'est une course que vous appréciez? Ouais. Vous appréciez le marathon du Cognac? Ah oui, très bien ce marathon. C'est un marathon festif. Il y a une bonne ambiance. Le temps, il est nickel aujourd'hui, donc on va en top. Merci.